Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Calcul au certificat d'études primaires numéro 16. Source, La Voix du Nord. Premier problème. Après une forte averse, il est tombé sur le potager de 20 mètres de long et 15 mètres de large de René, 4 décimètres cubes d'eau par mètre carré. S'il avait fallu arroser le potager avec cette eau, combien d'arrosoirs de 15 litres aurait-il fallu transporter? Quel poids total d'eau aurait-on porté? Alors, premier problème, donc on va calculer la surface du potager, donc l'aire du potager. Ici, nous avons 20, 20 fois 15, donc 300 mètres carrés, 300 mètres carrés. Il est tombé 4 décimètres cubes d'eau par mètre carré, donc volume d'eau. Ici 4 fois 300, donc ici 1200 décimètres cubes, donc ici 1200 litres d'eau. Combien d'arrosoirs de 15 litres aurait-il fallu transporter? Donc nombre d'arrosoirs, 1200 litres divisé par la contenance d'un arrosoir, 15. Donc 1200 en fraction 1200 sur 15. Ici, on a 3 fois 400 divisé par 3 fois 5. 400 divisé par 5, 80. Donc il faut 80 arrosoirs. Arrosoirs pour contenir tout l'eau tombée dans le potager. Et quel est le poids total? Bien, 1 litre d'eau est égal à 1 kg d'eau. Donc ici, le poids total. Poids total, 1200. Kilo, donc si on le veut en tonnes, 1,2 tonnes. Deuxième problème. Une horloge retarde chaque jour de 2 minutes 40 secondes. Quel sera son retard au bout de 15 jours? Deuxième problème. Donc une horloge retarde chaque jour de 2 minutes 40. 2 minutes 40 secondes, donc ici, on va le mettre en fraction de minutes. Donc ici, 2, c'est 120 sur 60 plus 40 sur 60. Donc ici 160 divisé par 60. Ici on a minutes. Donc 160 divisé par 60. Quel sera son retard au bout de 15 jours? Donc chaque jour elle retarde de 2 minutes 40. Donc 160 sur 60 minutes. Donc retard sur 15 jours. Eh bien, c'est 160 sur 60 fois 15. Sachant que 60, c'est 4 fois 15. 15 fois 4, 160 fois 15. On peut simplifier les 15. 160 divisé par 4, 40. 40 minutes. Donc, la montre, l'horloge, donc ici, l'horloge, va retarder de 40 minutes au bout de 15 jours. Troisième problème. En une semaine, Marguerite, une vache laitière, a produit lundi 1,2 décalitres de lait, mardi 0,2 décalitres de plus que lundi, mercredi 0,5 décalitres de moins que mardi, jeudi 0,6 décalitres de plus que mercredi, vendredi 0,1 décalitres de plus que jeudi, samedi 0,3 décalitres de moins que mardi. Dimanche, 0,5 décalitres de plus que mercredi. Calculez la production hebdomadaire et la production moyenne quotidienne en litres. Si le lait vaut 2,50 francs les 5 litres, quelle est la valeur du lait recueilli pendant la semaine? Alors ici, on va faire un petit tableau. Donc ici, jour. Ici, production. Production en décalitres. Décalitres. Donc ici, lundi, on nous dit 1,2 décalitres. Mardi, 0,2 décalitres de plus que lundi, donc ici 1,4. Mercredi, 0,5 décalitres de moins que mardi, donc ici 0,9. Jeudi, 0,6 décalitres de plus que mardi, donc 1,5. Vendredi,
0,1 décalé de plus que jeudi, donc 1,6. Samedi, 0,3 décalitres de moins que mardi. Donc ici, décalitres de moins que mardi. Donc ici, on va retrouver 0,3 décalitres de moins que mardi, donc 1,1. Et dimanche, 0,5. Donc ici, 0,5 décalitres de plus que mercredi. Mercredi, on est là. Donc ici, ça va être 0, donc ici 1,4 pour dimanche. Alors, la production hebdomadaire, donc production hebdomadaire, 1,2 plus 1,4 plus 0,9 plus 1,5 plus 1,6 plus 1,1 plus 1,4. Donc, l'opération à faire, c'est 1,2 plus 1,4 plus 0,9 plus 1,5 plus 1,6 plus 1,1 plus 1,4. Si, 9,1. Production moyenne. La production moyenne, 9,1 divisé par 7. Donc 9,1 divisé par 7. On va trouver 1,3. 1,3 décalitres. Donc ici, production en litres. Donc si c'est en litres, ici c'est 91 litres de lait par semaine et 1,13 litres par jour en moyenne. Alors maintenant, on peut, si le lait vaut 2,50 francs les 5 litres, quelle est la valeur du lait recueilli pendant la semaine? Donc le prix de revient du lait hebdomadaire est de donc 91 fois 2,5 divisé par 5. Donc ici 91 fois 0,5 ou 91 divisé par 2, eh bien on va trouver donc ici 45,5 francs. 45,5 francs. Quatrième problème. Un agriculteur souhaite poser une clôture autour d'une passerelle de 25 mètres de long et de 18 mètres de large. Quelle sera la longueur de cette clôture en tenant compte du fait qu'il souhaite une ouverture de 3 mètres pour le portail? Alors, quatrième problème, un agriculteur souhaite poser une clôture autour d'une passerelle, 25 mètres de long et 18 mètres de large. Quelle sera la longueur de cette clôture? Ici, le périmètre du terrain, c'est 2 fois 25, 2 fois 25 plus 18. Donc ici, 2 fois 6, 43. 2 fois 43, ça fait 86 mètres. Et donc, ainsi la longueur de clôture, eh bien c'est 86 moins l'ouverture de 3 mètres pour le portail, eh bien c'est 83 mètres. Cinquième problème. Gaston est né à 7h du soir, le 15 janvier 1825. Il est décédé à 8h30 du matin, le 17 avril 1874. Combien a-t-il vécu en jours? Alors ici, Gaston est né 7h du soir, le 15 janvier 1825. Donc on commence en 1825, le 15 janvier 1825. Et on s'arrête le 17 avril 1874. Alors, donc ici on fait une échelle de temps. Voilà. Alors, ici, il faudra compter les années à 365 jours et les années à 366 jours, les années bissextiles. Donc ici, une année bissextile, si son nombre est divisible par 4, mais pas par 100. Par 4, mais pas par 100. Donc ici, les années bissextiles, ici, ça va être 1828, 1832, 1836, 1840, 1844, 1848, 1852, 1856, 1860, 1864, 1868,
et 1872. Donc là, tous les années bissextiles, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 années bissextiles. Ici, on va compter à partir de 1826 et 1874. Donc ici, 1874. Donc entre ces deux années-là, 1874 moins 1826. Donc entre 1874 et 1826, il y a 48 années. Bien entendu, il faudra distinguer les années non bissextiles et bissextiles. Donc il y a 12 années bissextiles, donc 12 fois 366. Et donc 36 années non bissextiles, 36 fois 365 plus 12 fois 366. Donc nombre de jours entre l'année 1826 et 1874. Ce qui nous donne, alors ça nous donne donc 36 fois 365 plus 12 fois 366. On trouve 17 532. 17 532. Alors ici, 15 janvier, entre le 15 janvier 1825, donc en 1825 ici. Donc là c'est entre 1826 et 1874. Donc 1825. Au 15 janvier, on a déjà parcouru 15 jours dans 1825, donc 365 moins 15, ce qui va nous donner 350 jours. 1874, donc entre le 1er janvier et le 17 avril, donc le mois de janvier a 31 jours, le mois de février a 28 jours, c'est une année non bissextile, 28, le mois de mars a 31 jours, et le mois d'avril, donc on a fait 17 jours. 31 plus 28 plus 31 plus 17. On va trouver 107, 107 jours, si c'est des jours. Et donc maintenant le total, donc 1750, 532 plus 350 plus 107, 17 989 jours. 17 989 jours. Alors, en guise de conclusion, donc j'ai vérifié sur internet, sur un site qui permet de savoir la période entre telle date et telle date. Donc, nombre de jours entre telle date et telle date. Donc, ici, j'ai testé samedi 15 janvier 1825 jusqu'au vendredi 17 avril 1874. Le site calendrier 365.fr me dit 17 990 jours. Or, nous, on avait vu donc 17 989. Alors, pourquoi? C'est 17 989 et non 17 990, parce que là on est né le 7h au soir et décédé 8h30 du matin. Donc il a vécu 17 989 et on peut dire qu'il est mort à son 17 990e jour.